Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 12 de The Evil Within. Donc c'est parti. Ça fait plaisir de te voir. Comment t'es arrivé là? C'était pas facile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait d'autres crises. Eh ben, t'as bien de la chance. Bah, il lui dit pas. Hey, je crois que je nous ai dégoté un moyen de transport. Tu crois qu'il marche? On va voir ça tout de suite. Merde! Mais débarque d'où? Qu'est-ce que vous foutez? Répondez! C'est machin. Heure de tout. Ouais. Oh la tronche quoi. Qui s'est bouffé ou quoi? Allez. C'est bon, c'est ce débat. Mais c'est qu'il me croit après encore. Loupé. Ça m'étonnerait qu'on soit tranquille longtemps. Non, je peux pas descendre. Faut aller où maintenant? Oh là. Quoi encore? Allez, tape, pourquoi je peux pas taper? Attention, ils ont des explosifs. Voilà. Tire dans la tête et lui tire dans le genou. Allez. Tiens. Il y en a d'autres qui rappliquent. Gardez votre sang-froid. Je suis à terre. Il y en a combien là? C'est bon là. Putain, il y en a encore.
merci. Tu pourras économiser une balle. Quand même, putain, il a mis du temps à réagir. Et boum. C'est pas passé. Je suis crevé. Excusez-moi. Bon alors. Ah, ils sont beaux tous les deux, regarde. Ils sont collés l'un dans l'autre. Prenez la route de gauche. Ah, t'en vois l'autre. Bien. T'en prendre deux dans la gueule. Où est-ce qu'on va, Joseph? J'ai une idée. On n'arrête pas d'être baladés de gauche à droite. Comme des pions sur un plateau. Donc, c'est quasiment impossible de déterminer où on se trouve exactement. Mais cette lumière, celle de l'hôpital psychiatrique, on la voit toujours au loin. Cette machine à laquelle j'étais branché, je l'ai vu à des endroits différents. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'est toujours la même, mais c'est difficile d'en être sûr. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je vois une de ces machines, je me rapproche de plus en plus du phare. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais comme je l'ai dit, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Donc tu crois qu'on devrait aller droit au but en fonçant directement à l'hôpital? Exactement. Bien vu, inspecteur. La route de droite avait l'air plus directe pour rejoindre l'hôpital. Non. Il se prend une balle. Il y a une ambulance. Peut-être du matériel de secours. J'y vais. Non. Ne les laissez pas monter dans le bus. Bon alors. Putain, on a déjà vu quoi, putain. Je peux pas monter là. Allez. Putain, ils sont déjà là. Eh vas-y, il me tire pas dessus. Oh putain, mais merde. Ah, quel boulet. Eh mais. Ah, je suis nul.
bien sûr, on l'a vu. Mais non. Ah, puis je suis. Je suis. Munitions. Putain. Il y a partout. Oh là là. En même temps, j'étais tellement nul. Bon. Yo, tu te réveilles? Partout. T'excites pas, toi. Plus de munitions. Ah. Allez, mes recharges. Oi, oi, oi. Tiens, mes crânes, ça va. Ils en posent partout. T'as même vu ce coup? Non. Si. On peut juste se cacher dessous. Qu'est-ce qu'il fout là? Plus de munitions. Allez. La tronche. Putain, j'ai plus de munitions à rien. What? Il est où? Il est où? Ah, il est là, ce con. Plus de munitions. Mais oui, j'ai plus de munitions. Putain, t'as une arme. J'ai quoi comme arme? Oh, alors, faut une grenade. Une grenade, j'ai dit. Bon, lui, il s'est fait péter tout seul. Ah non. Deux. Ouais.
Bouh. Ils t'excitent pas, hein. C'est bon. Faut s'arranger peut-être. Putain, mais en plus c'est un débile. Oh. Ah, je disais un truc de vie pour rien. Oula. Eh mais vas-y, calme-toi. Même pas qui sont complètement y'a pas je vais mettre un des cool. Voilà. Occupez-vous d'eux. Putain, c'est guerre, il y a extrêmement.
tour. Alors, c'est les balles. Les tours qui traînent. Je vais soigner avec une pochette de sang. Rien compris. T'es beau, toi. Merde. C'est pas un vampire. Ah, c'est le diable. Yes, vas-y, je vais creuser plein de zombies. Ça va secouer. Non, c'est idéalement ce qui fait proche de moi. C'était pas très long. J'aurais pu faire un meilleur score si tu m'avais pas empêché. Bon. Bah, le chapitre 12 est fini, il était assez rapide. Donc bah on se retrouve très bientôt pour le chapitre 13. Et j'espère que ce chapitre-là vous aura plu, donc salut à tous et bonne soirée.